qu'est-ce que ça fait plaisir de vous revoir! Oh là là! Et en plus, ça fait longtemps que je suis pas apparu dans l'intro Top TikTok. Oh là là, en vrai, ça m'avait un petit peu manqué quand même. Yo tout le monde, c'est Dinous! J'espère que vous allez tous très très bien, mes petits refs, parce que moi, ça va impeccable comme tous les jours. J'espère que tout se passe bien dans votre vie en ce moment, les amis. Et comme d'habitude, vous savez très très bien que si j'apparais dans l'intro Top TikTok, c'est absolument pas pour rien, c'est bon. Là, ils vous ont préparé, comme d'hab, compilation de fou. Vous savez très bien qu'à chaque fois que j'apparais dans l'intro de Top TikTok, c'est une grosse dinguerie. Et je me languis clairement de voir cette compilation là. Parce que là, ils se sont gavés. Bon, je pense que quand même, la plupart d'entre vous, vous savez très bien que je suis passé des dizaines de fois dans l'intro Top TikTok. Il y en a certains qui me connaissent. D'autres, un peu moins. Alors, les amis, je vous propose quoi? Ce que je me présente. Je m'appelle Didouze, voilà. J'ai 19 ans, ça fait 3 mois que j'ai créé la chaîne Didouze qui comptabilise aujourd'hui, en vrai, 430 boss. Rien que ça. Et franchement, merci avant toute chose pour les gens qui sont là. Les amis, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je fais des vidéos sur jeux vidéo, des vidéos IRL, des vidéos réactions, des lives aussi, parce qu'on en fait vraiment plutôt pas mal en ce moment. Et vous êtes vraiment à l'affût. Et les amis, voilà, une vidéo par semaine où j'essaie de vous proposer vraiment le meilleur contenu possible et imaginable en fait. Alors si tu veux aller voir ma chaîne, tu peux aller voir en description, y'a pas de soucis. Et si t'as d'être ça, t'as vu, t'as kiffé les vidéos de ça, tu peux t'abonner, rejoindre la team des boss, clairement. Vous pouvez aussi voir la dernière vidéo où je passe sur énergie. Je vous en dis pas plus. Pour ceux qui me croient pas, je suis vraiment passé sur énergie. Oh, c'est un truc de fou. Surtout les amis, bon, je vous dérange pas plus. Vous pouvez lâcher le petit like des familles de la compilation Top TikTok qui s'annonce incroyable. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne du coup de Top TikTok. Ça fait plaisir à la famille. Et les amis, ben voilà, vous avez tout en description. Voilà, si vous voulez voir ma chaîne, si vous êtes curieux. Je vous laisse du coup sur la compilation. Je vous fais plein de gros bisous. C'était Didouze. Tchuss. Je suis en accident. Hein. Faut vraiment que j'arrête ces intros. Je suis à deux doigts de faire un accident. C'est incroyable. I'ma skip town, see my wrist drown. Everybody wanna fuck with me for benefits. I'ma skip town, see my wrist drown. Everybody wanna fuck with me for benefits. Now man, I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out. Did you bang your head? Okay, come up. Oh, Jesus, little girl. Hey, watch out. Hey. Yo, bro, are you choking? Hey, like, are you? No, fuck! Alright, here's the moment we've been waiting for. Let's get it. Corleone après le vaccin, déjà mon gars c'est pas sympa et j'ai juste les mêmes lunettes que lui et vas-y vous êtes plein à me le dire, let's go, je vais demander à quelqu'un dans la rue. Ah, y a un mec là-bas. Est-ce que tu trouves que je ressemble à Fritz Corleone? J'aurais plutôt dit Fritz Cordon Bleu mais pas Fritz. Maddie, can I get an awa-awa? Dis-moi que tu es pauvre, sans pour autant me dire que tu es pauvre. Je commence. J'ai découvert une nouvelle technique. Quand je vais pas bien, je m'achète une petite plante et bah ça marche plutôt bien. J'ai commencé hier. Rouge gazeux, noir gazeux. Ta daronne. Mon cœur. Ouais. T'es déjà allé chercher un téléphone sur la glace? Christophe, je vais pas pouvoir marcher. Elle est pas solide la glace. Bah oui. Non, Christophe, s'il te plaît, je t'allais jouer à Fortnite.
tu vas le chercher maintenant. Je vais mettre un pied, je vais tomber, Christophe. Oh, Christophe. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais là, Timothée? Enfin quoi, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Oh, mais c'est pas vrai, ce gosse. Bon, il est où le monstre? Regarde, il est là. Oh, tu me fatigues, hein, Timothée. Il est 1h du matin. Bon. On t'a bien fait, j'attends. Oh mon dieu! Wesh, bien ou quoi, Gator l'alligator? Bien ou quoi, Pony Pis? Sans dire que vous êtes fait tromper. Quand je rencontre une meuf en soirée, qu'on discute, qu'on en vient à parler de nos mecs, et qu'elle me dit « Ah, mon mec, il fait ça !» Et que je dis « Oh, moi aussi, mon mec, il fait ça !»« Oh, mon mec, il fait ça !»« Oh, moi aussi, il fait ça !»« Oh, comment il s'appelle ton mec comme ça ?»« Le mien aussi, c'est rigolo !»« Donne-moi une photo !»« Oh, dis donc, mon mec ressemble beaucoup au tien !»« Mais attends, on n'aurait pas le même mec, en fait !» Je me défonce, je vois mes regrets, papa. Ne sais pas que sa fille devient une porn star. Non, rien. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais? Tu te rases? Je t'as même pas de barbe. Oh non, donne-moi ça, donne. Oui. Maman? J'ai reçu un colis Apple que j'attends depuis 2 mois. Je suis trop content. C'est une boîte dans une boîte. Qu'est-ce que c'est? C'est les AirPods Max. Je les ai vraiment commandés il y a 2 mois et ils arrivent que maintenant. Bon, on va les déballer ensemble. Ça, c'est le plus satisfaisant. Yes. On ouvre la boîte. Oh, ils sont trop beaux. La petite pochette. Vous entendez pas la musique, mais c'est trop bien, wesh. Oh, bah écoutez, franchement, je suis trop content. J'ai trop hâte de pouvoir les utiliser. Bisous, mes piox. Come on your head, I'm more. You make me un poco loco, un poquitito loco.
A dinosaur. Ok les gens, je vais vous raconter l'anecdote la plus ouf qui m'est arrivée pour l'entretien d'embauche. En fait, si vous voulez, j'étais encore étudiant et du coup, il fallait que je trouve un petit boulot. Du coup, j'ai passé un entretien chez Subway. Je discute avec le patron et là, il me dit, Thibaut, ton profil m'intéresse et si tu veux le poste, il faut que tu passes sous le bureau. Moi, je suis là, non, mais il est taré ce mec. Il me prend pour qui? Il me le redit en face. Il me dit, Thibaut, je t'offre ce boulot seulement si tu passes sous le bureau et que tu me fais, vous imaginez quoi? Là, ça commence à monter. J'ai envie de lui en coller une. Je me lève et je me barre. Rien que dire, pensez, j'ai des bouffées de chaleur. Non mais, il m'a pris pour qui le mec? Sérieux, je suis pas un mec comme ça, je suis pas un mec facile, hein. Welcome to Jurassic. Du boursin, dédicace à Nénès. Les couilles à mon kleps, du sang plomb 92, dédicace à personne, je me suis fait tout seul, bande de fous. Bon, bah en tout cas, il était cool l'épisode, tu veux qu'on mette la suite? Ouais, vas-y, c'était cool, pourquoi pas. Ouais, vas-y, grave, bah vas-y, je mets la suite. Oh, mais c'est qui m'appelle? Téléphone. Oh putain, c'est Jason, tu fermes ta gueule, ok? Chut. Allô? Oui, Jason, ça va? Non, tu me déranges pas, je me faisais chier là, je me faisais trop chier. Bah non, moi je suis chez Totoche là, tu vois. Commence pas à dire des trucs chelous, c'est Totoche. On parle bien du même Totoche là? Celui qui a jamais de contour? Il peut toujours rêver, hein. Non mais attends, tu me prends pour qui? Celui qui a un duvet, on dirait des poils d'aisselle? Sa tête là. Vas-y d'ailleurs, t'es où toi? T'es à la gare? Vas-y, attends, quitte pas. Hé hey, Totoche, dépose-moi à la gare. Hé hey, oh. Dépose-moi à la gare, s'il te plaît. Toto, je t'ai ralenti ou quoi? Tu m'entends? Et du coup, pour moi, bon, tu mets à peu près au maximum, mais là. Excuse-nous! C'est à 20 kilos, quoi, t'es bien? Je vais essayer. Oh la vache! Ah ouais, je vais essayer de relever. Vas-y, fais gaffe, hein, te blesse pas non plus. Toi, y'a combien de kilos là? 20 kilos? Je suis une petite merde en fait, wesh. Ah, c'est pas grand chose, 20 kilos. 20 kilos. Est-ce que. Truc de. Y'a quoi là? Oh la vache! Ok, c'est bon. C'est bon, le sport est fini pour aujourd'hui. Je vais aux toilettes, j'arrive. Je vais aux chiottes. J'ai le cigare au bord des lèvres. Faut que j'aille déposer un pote à la piscine. J'ai l'avion au bout de piste. Je vais couler un bronze. Ah là, j'ai le côté obscur qui reprend des forces là. Reviens, hein, je vais bénir les lieux. Je vais recycler le dîner. J'ai le pingouin qui sort de l'igloo là. Bon, je vais chier quoi. Merde. Ouais. Non, viens, viens, tu me restes. Non, viens, tu me restes. Oh, tu me restes. Oh, t'es trop grand. T'es où, t'es où? Viens, viens, viens. Descends en construisant. Descends en construisant. Dépêche-toi, t'es qu'un. Je te laisse ça. Et je te laisse aller, démerde-toi ma fille. Non mais non, je suis mort, TK. Demande-moi pardon, demande-moi pardon. Excuse-moi TK, excuse-moi. TK le plus gentil. TK le plus gentil. Allez. TK voilà. Le plus gentil. En fait, il sait pas. Merci TK, je t'aime. Merci TK. J'ai envie de te laisser en chien. Ah, TK, je t'aime. Tu te heals, d'accord? Est-ce que t'as un... Attends, donne-moi un truc, j'ai plus rien. Tiens. Bon. Allez, ta mère, fils de p***, quand je la p*** avec des tournevis, sale p***. Ta mère, elle est tellement moche, quand je suis en chien, je lui mets un sac poubelle sur la tête, fils de p***. Hey, fils de p***. Si je fais ça et que je fais ça, oui, mais non, ça marche pas. Mais ça marche pas, putain. Je comprends pas. Pourquoi, qui a fait ça? On était en primaire, on était bien, on avait des 15, des 18 sur 20. En primaire, en maths, il y avait... aucun problème. Je suis arrivé au collège et X, cet enculé de X est arrivé, on sait pas pourquoi. Et il a foutu une merde, mais une merde colossale, X. Ok? Et il dit, c'est un inconnu, mais t'inquiète pas, mon grand. Parce que X, si je te croise dans la rue, je te jure, je t'en mets. Posé au resto
avec ma go, tout était clean, tout était beau. J'ai bien mangé quand j'ai vu ce ventriloque venir, j'ai senti le danger. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci, maintenant partez. Oh, je voulais pas vous déranger. Pas de soucis, moi je vais rester. C'est pas gentil, monsieur veut manger tranquille avec sa copine. Exactement, ferme-la, toi, ça se voit que t'as même pas d'argent. Écoutez, monsieur, c'est pas marrant. Faut que t'apprennes à tenir ta langue. T'as pas l'argent? Si j'en ai. Attends, c'est ta meuf ou une poubelle? Tu vas le laisser me parler comme ça? Monsieur, partez ou on va se battre. Ok, je me barre. J'ai pas peur de toi, bâtard, devant ta meuf, je t'éclate. Ça, monsieur, vous jouez à quoi? Mais vous voyez bien que c'est pas moi. Vous voulez que je vous casse le bras? Non. Regarde-moi quand je te parle. Ah, c'est une technique à toi, c'est pour ne pas payer le repas. N'importe quoi, je les connais pas. Qui t'a permis de parler, grognasse? Monsieur Dame, y a un problème? Oui, y a ce monsieur qui nous gêne. Je veux partir, mais il veut pas. Mais vous le faites exprès ou quoi? Monsieur, va falloir y aller. Cet homme nous a manqué de respect. Mais j'ai rien fait. Il m'a dit qu'il me casserait le bras. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais il nous embêtait. Ok, monsieur, quittez ce lieu. Pourquoi? L'établissement n'accepte pas les fous dangereux. J'ai... Mais s'il vous plaît, dites-moi quelle est la chose malaisante, mais que les gens continuent de faire. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, personnellement, c'est les gens qui mettent le flash quand ils reçoivent des messages. Frère, il y a un vibreur, ça existe, c'est mieux. Le Bill Bokeh ? Maintenant, c'est le Kendama. Une fille qui s'appelle Clara va commenter cette vidéo. Salut Clara. J'aurai 5 millions d'abonnés TikTok en 2021. Je serai heureux en 2021. Le Kendama est mieux que le Bill Bokeh ? La personne qui regarde ce TikTok va s'abonner. C'est pas la faute du Kendama, c'est juste moi qui suis nul.